Bonjour, bonjour, bonjour. Un bonjour, mes guerriers. Il y a fait matin bonheur. Il y a fait même. Il y a fait. C'est trop grave. Rien commence à me faire mal. Ça va, je ne peux pas laisser ça comme ça. J'ai dit, il fallait que je parle de ça. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas remarqué ça. Vous ne suivez pas un peu comment je fais pour décortiquer les choses. Voilà. Donc, je vais vous. Tiens, non, j'ai mal au cœur, ça me fait trop mal. J'ai besoin d'explications. Bon, je vais commencer au début. Ces deux temps-là, il y a une chanson qui tourne un peu sur les réseaux. Affaire de challenge de bim. Que non, pourquoi tu m'as négligé? Et puis ça, voilà, c'est le goût de ça, le goût de ça. Bon, c'est Rémi Adam. Bon, Rémi Adam, et je pense qu'il a chanté ça. Et actuellement, les gens font des challenges et tout. En tout cas, ça amuse les gens sur les réseaux. Un truc qu'il a chanté, il a bien chanté. Mais ce matin-là, dans mon papatoya, je dis que, de la même leçon là tourne là. Attends, je vais aller bien écouter. Parce que ça peut être cette partie-là seulement qui est chic et puis le reste n'est pas chic. Je cherche quelque chose à dire. Donc, je m'en vais dans mon coupatoya. Je dis, ah, il y a trouvé quelque chose dedans pour pouvoir parler un peu dans l'affaire des gens. Donc, j'écoute le son, j'écoute le son, j'écoute le son. J'écoute le son une fois. J'écoute le son deux fois. Parce que je me dis que peut-être que j'ai un problème d'oreille. J'écoute le son trois fois. Je dis, J'écoute le son quatre fois, cinq fois, six fois, huit fois, neuf, dix fois. J'appelle mes soeurs. Venez écouter. Je mets le son. Mes soeurs écoutent. Une fois. Mes soeurs écoutent. Deux fois. J'ai dit que, il y a quelque chose qui m'a paru bizarre dans ce son et je vais vous partager ça. Est-ce qu'on est d'accord que le son et le challenge BIM là, c'est Brazing Girl qui a envoyé. Brazing Girl, l'influenceuse sur les réseaux sociaux qui est aux États-Unis, qui est ivoirienne. Est-ce que nous sommes d'accord que challenge BIM là, c'est Brazing Girl qui a envoyé? Répondez d'abord avant que je ne continue. Est-ce qu'on est d'accord que c'est Brazing Girl qui a envoyé le challenge BIM? Je veux savoir si on est d'accord d'abord. Voilà. Donc, actuellement là, vous et moi, nous sommes d'accord que le challenge BIM là, c'est Brazing Girl qui a envoyé. Le jeune Rémi Adam, il a chanté la chanson. Dans son son là, quand il a chanté là, il a dit le nom de son producteur, Monsieur Colbert, que je salue, que je respecte beaucoup. Il a dit le nom des gens qu'on ne connaît pas, que je ne sais pas où ils ont quitté, pourquoi, comment, je ne sais pas. Peut-être des gens que lui connaît. Mais le nom de la fille que nous on connaît qui a envoyé challenge, la Brazing Girl, là, son nom n'est pas dedans. Donc je me pose la question ce matin. Que veut dire? Que veut dire? Parce que nous sommes en Afrique, hein? Si tu as chanté ta chanson là-bas, que tu n'as pas mis le nom de quelqu'un, parce que les Européens, là, quand ils chantent, là, ils ne mettent pas le nom des gens dedans, ils chantent comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais tu as eu le temps de chanter la chanson, tu as eu le temps de mettre le nom des gens, mais le nom de Brazing Girl, là, c'est devenu comme os dans ta gorge, voire on ne sait pas. Il n'a pas dit le nom de Brazing Girl dans le son, là, c'est pour ça que j'ai fait le direct. Pourquoi il n'y a pas le nom de Brazing dedans? Tu ne peux pas me dire que c'est toi qui as été inspiré pour chanter le son. Ça, c'est pas possible. Donc, tu peux pas t'approprier quelque chose que la fille a envoyé. Elle a lancé le challenge là. Si c'est pas Brazing Girl là, mais qui allait venir même reposter le challenge? Tu allais faire challenge sur TikTok même. Qui allait venir faire challenge sur TikTok même? Donc, au moins, dans le son là, tu chantes jusqu'à, et puis tu mets dedans, Brazing Girl, Inès. Ça là, tu peux pas mettre ça. C'est devenu os dans ta gorge. Ouais, mon problème est dedans.
Mon problème est au début, au milieu, à la fin, à côté. Je suis, mon problème, c'est mon problème. Pourquoi il n'y a pas non? Elle dit qu'on est en Afrique, hein, la reconnaissance chez nous ici, là, c'est très, très important. Vous voyez souvent les artistes là, ils chantent, hein, ils ont bien chanté, on va danser jusqu'à, mais ça ne va pas trop loin. On va danser, mais les artistes ne peuvent pas profiter de leur son. Exemple, Izé là, le son a moussé, ça a tourné, tout ça là. Mais même les artistes, est-ce qu'ils ont tourné? C'est parce qu'il y a, toujours un problème. La reconnaissance là, c'est important. Pourquoi tu as eu le temps de mettre des noms, des gens que nous on ne connaît pas, et puis tu n'as pas mis le nom de notre Brazilian Girl qui envoie le challenge? Pourquoi? Je veux qu'on m'explique. Pourquoi? Et même dans le son là, la partie où il dit bim là, c'est la voix de Brazilian Girl là pour faire bim là. Pourquoi son nom? Dans le clip là même au moins, tu pouvais mettre la partie de son challenge dans le clip. Rien du tout. Tu n'as rien mis dedans. Tu en parles avec elle, waouh. Tu veux dire que c'est toi qui as envoyé le challenge, waouh. Mais tu veux prendre ça pour faire communication. Les gens vont parler dessus, waouh. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Voilà. Je cherchais à faire, j'ai eu. Donc, je veux comprendre. En tout cas, peut-être qu'il a chanté. Hein. Les gens ont dit qu'il a chanté. Mais moi, pour moi, Eunice Zunan, alias Bepe Bouche Pointu, celle que ce mec qui ne la regarde pas, président des papatos d'ici et d'ailleurs, qui ne peut jamais reconnaître devant les gens qu'elle a critiqué, il n'a pas chanté fort. Ça là, c'est ça qu'on appelle même, tu ne me respectes pas même. Pourquoi? Si tu en parles avec elle, il ne faut pas prendre son challenge pour venir faire chanson. Tu as fait comme si Jean, c'est toi qui as chanté. Je ne sais pas. Comment ils appellent le grand frère DJ Lewis? Il a essayé de faire le son Bim là. Lui au moins, il a mis son nom dedans, Brazilian Girl. On n'a pas dit il faut faire les merci, merci qui finit pas là. Ton merci, il finit pas. Ce n'est pas merci qui finit pas qu'on a dit. Hein. Petit nom Inès, Brazilian Girl. Brazing, un truc, je sais pas que tu entends un peu, Brazing Girl. Genre ce son là comme ça là. Le petit truc là. Ou bien tu chantes son nom. Brazing Girl. Tu vois non? Et tout de ce genre. Ou bien elle envoie le challenge. Je sais pas, mais quelque chose. Un petit truc quoi au fait. Rien du tout. Et puis tu es là, tu chantes, tu fais promo, tu t'en vas seulement. Pourquoi? Moi, bébé. Je ne peux pas accepter. Comment elle s'appelle même? Fabi Umi. Non, moi là, moi, qui est en collaboration avec elle, qui ne soit pas en collaboration avec elle, ça, c'est pas mon problème. Mon problème là, c'est pourquoi son nom n'est pas dans le son. Le reste là, c'est entre eux là-bas. S'ils ont parlé entre eux qu'ils sont entendus pour faire ça, moi, je ne sais pas. Mais il faut que ils fassent leur réunion là devant moi pour m'expliquer pourquoi le nom de la fille là, ce n'est pas dedans. On dit un artiste, même s'il est au sommet, il a toujours besoin de pub. Donc quand tu fais ton son là, quand tu mets le nom de Brazilian Girl dedans là, c'est une petite pub. Un petit clin d'œil que tu fais à la fille. Aïe! Même Matt James, même que Matt James là aujourd'hui là, il a toujours besoin qu'on dise Matt James quelque part, ou bien un fan va célébrer pour l'apprécier. Donc, pourquoi nous, notre Brazilian Girl, là, tu peux pas mettre son nom dedans? Pourquoi? Hein? Il y a une partie où il a pris, mon chouchou, Péchou. C'est ça, non, Péchou. Lui qui dit, mettez son corps dehors, là. Il a mis le jeune, là, dans le clip. Ça, au moins. Parce que il sait que Péchou, là, si tu as pris sa voix, ou bien tu as pris son challenge pour faire chanson que tu ne l'as pas associé, là. Tu es au courant que quand il va faire sa vidéo là, il va te ramasser, te jeter comme ça. Donc là, tu n'as pas pu dire que je ne le mets pas dedans. Parce que tu connais sa bouche. Il va rentrer dans le marché de psychologie là, sortir au marché de Macori pour te parler ses carreaux. Tu as vu dedans que tu l'as appelé, viens faire ton cordeau. Maintenant, comme notre Brazilian Girl, elle ne parle pas là. Là, tu vas faire son que tu ne mets pas son nom de quoi?
Je ne peux pas accepter ça. Faites ma commission à Rémi Adam et puis le général Colbert, mon vieux père. Faites commission là. Faites-leur la commission. Qu'ils viennent faire réunion devant moi ici pour expliquer pourquoi le nom de Blazing Girl Inès n'est pas dans le sang. Il veut nous dire que c'est lui qui a envoyé l'idée, c'est lui qui a chanté waouh, ou bien il y a un palabre, ou bien je sais pas. Je ne comprends pas. Aïe, on va faire. La fille était inspirée un matin, elle a porté sa jolie robe rouge là, mis ses en valeur. Elle est venue comme ça, elle a fait sortir l'inspiration, même jusqu'à aujourd'hui, même pasteur, même quand il prêche là, il va prêcher, il va dire bim, le goût de ça, le goût de chat. Fababi, ton foutou est là, bébé, mon cœur, Fababi, mon amour, mon chouchou. Au fait, il y a Fababi qui devait manger foutou chez moi à la maison. J'ai promis. Il pense que je m'amuse. Je vais faire, bébé. Faut pas t'inquiéter. Attends, j'ai fini de parler dans la fin des gens qui ne me regardent pas d'abord. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, bébé. Je t'aime. Donc, voilà. Ne me dites pas merci hein, de vous avoir fait... Voilà. Cette petite remarque-là. Non, mais franchement, qui n'ont que. J'ai mal, hein. J'ai mal. Hein? Oui, si vous voulez, hein, elle m'a pas envoyé. Inès m'a pas envoyé. Oui, je m'en fous. Vous pensez que quand il vient parler, c'est parce que quelqu'un m'envoie. On m'a pas envoyé. C'est une affaire, j'ai remarqué, je parle dedans. La personne qui est fâchée n'a qu'à venir me mettre en prison. Non, mais un peu le quand même. Je viens d'arriver à ce côté-là. Je vais voir mon parrain artistique, le grand frère. Tu. Attendez. Donc, je ne peux pas accepter. Voilà. Comment ça, c'est pas là que je cherche? Donc, quand on dit la vérité, là, c'est pas là qu'on cherche. C'est que je cherche pas là. Frappez-moi aujourd'hui, dans ce moment, frappez-moi. Maintenant, si elle est passée derrière moi là-bas pour aller faire collaboration, mon cher. Toujours est-il que ça ne me regarde pas. Je m'en fous. Ce qui me regarde là, c'est que pourquoi son nom n'est pas là-bas. C'est tout. Oui. La partie où il y a bim là, c'est sa voix. Donc, mais il doit payer même les droits même. Il doit payer les droits quand même. Oh, j'ai raison. Donc, la pardonner, dites aux jeunes là. Il n'a qu'à venir nous expliquer pourquoi le nom de Blazing Girl n'est pas dedans. Nous, on dit qu'il a chanté, mais il n'a pas chanté fort. Voilà. C'était mon message de ce matin. Je suis fâchée, en colère, furieuse, nerveuse. C'était mon message du jour. Ce que j'ai remarqué. Et puis, je vois là-bas que non. Il y a une tante là qui veut lui offrir un voyage à Dubaï. Tout ça là, je ne sais pas. Nous, notre Blazing Girl a chanté, elle a chanté. Notre Blazing Girl a envoyé le mouvement comme ça. Nous, on a dansé dessus, c'est devenu une chanson. Et puis, vous partez donner buzz là, à une tante là-bas, quelque part là-bas, en France là-bas, que non, elle va lui donner voyage à Dubaï. Quand même. Quelqu'un qui cherche 10 000 euros pour faire commerce, c'est elle qui a venu ouvrir voyage à Dubaï. Tonton Colbert, on n'a qu'à se respecter. Hein. Si tu veux payer voyage à ton artiste là, je ne sais pas comment tu as fait la même là. Tu pouvais même encore dire. À Blazing Girl, dis aux gens que tu offres le voyage à Rémi. Et puis bon, en bas, moi je vais payer, il va partir pour faire la promo. C'est pas elle que tu choisis pour faire promo ça là. Tu vas dire à une tante là-bas, à Willy Neger que non, elle n'a qu'à faire ça. Je n'aime pas. Hein. Tu pouvais pas dire à Blazing Girl de faire cette communication là. Pourquoi c'est à l'autre que tu as proposé ça? Pourquoi? Il n'y a rien contre la tantine, mais je suis fâchée quand même. Pourquoi elle a venu profiter du buzz que Blazing Girl a donné? Bon, il fait jour.
Il fait juin. Attendez, j'ai apporté mon cache d'abord. Bon, je suis là maintenant. Je disais, j'ai dit entre nous, hein, vous-même entre nous. On dit non, il a chanté. Il a chanté que la tante, il a dit qu'elle va lui offrir voyage à Dubaï. Comment ça qu'elle va lui offrir voyage à Dubaï? Entre nous. Entre nous. Quand même. Quelqu'un en a vu ici, le tonton qui parle gros français là. C'est comme il s'appelait là, mais le tonton. Elle est partie pratiquer le monsieur à cause de 10 000 euros. 10 000 euros là pour vous faire commerce, c'est dépouillé. Dans ça là, elle va venir nous dire qu'elle veut offrir et voyage à Rémi à quelle heure. Quand même, c'est un réaliste. Hein? Tout ça là, c'est le général Colbert, c'est lui qui fait ça. Vous allez voir, il est parti dire à la fille là pour dire que j'ai offert voyage et puis maintenant, moi derrière, j'ai payé pour faire la promo. Ça là, il devait appeler Brezingo que ah, Brezingo, voici ce que j'ai mis en place. Il faut dire que tu offres le voyage à mon artiste, comme c'est toi qui as envoyé le challenge. Comme ça, ça va être naturel même. Tu la sautes et puis tu vas donner ça aux gens. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas. Bon, je suis une petite fille. Ce que je dis là, ne prenez pas ça au sérieux. Je suis en colère. Voilà, hé! Hey. Hé! Hey. Ne mettez pas son nom ici, il m'amuse. Hein. Il m'amuse. Il m'amuse, oh! Je sais que je vais m'amuser. Je ne sais pas parler français. Pourquoi on va venir parler français sur moi ici? Bon, si c'est une affaire comme ça, on ne peut pas parler entre nous ici. On va dire ça entre nous là. Vous allez partir appeler les gens en commentaire ici là. C'est ça là. Moi j'ai arrêté. Hein. Il n'y a pas de problème. Je suis une jeune fille. Je me débrouille. Bon, au revoir. Je rentre à la soupe aussi pour mon rendez-vous. Bye bye. Où êtes-vous ici là? Comment ça que tu as? Eliane numéro, tu as peur? Hey. Comment ça j'ai peur? T'as déjà dit pour bateau qui assume ce qu'il fait. Il faut pas assumer. La règle numéro 1 d'un bateau là, c'est de ne jamais assumer ce qu'il fait, ce qu'il dit des gens, derrière les gens. Je suis venu, puis il va dire, quelqu'un qui a dit que c'est pour bateau qui a assumé, et que la personne là, c'est pas ma formation. Ce n'est pas ma formation. Voilà. Moi, je vais où? Je sais à ce côté. Je viens voir mon parrain artistique. Comment j'appelle? Adam. Le papa Adam Daiko. J'ai rendez-vous avec lui ici. Donc, je le cherche là. Voilà. Rahama, on va te défendre. Vous allez défendre qui? Vous allez défendre. Ne me défendez pas. Je ne veux même pas, même, faut pas en mettre mon nom là-bas. Pardon, ne me défendez pas. Quand on défend là, c'est comme si on est en train de te frapper. Faut même pas me toucher. Je suis une jeune fille. Actuellement, j'ai devenu une entreprise. Si quelqu'un me touche, que mon bras est déplacé là, c'est compliqué pour moi. Voilà. C'est compliqué. On peut même pas s'amuser, même. Petit truc qui est dit là. Ça va commencer à mettre les noms des gens ici. Ça, là, ça m'attaque maintenant là. Qu'est-ce que je deviens? Maintenant là, même si j'ai atterrage, j'ai plus vous dire. C'est quoi ça? Bon, c'est bon. Je vous laisse. Hi. Moi, c'est ça arrivé là, mais je ne l'ai même pas appelé. Je vais l'appeler, je coupe. De toutes les manières, dites ce que vous voulez. Si on m'attrape, que l'attentif là me demande que ce que j'ai dit là, je vais dire que moi, je n'ai jamais dit ça. Si Brazing Girl, je dis moi où je suis là, je ne vais jamais assumer mon papa Toya. Quelqu'un vient dire que j'ai parlé de lui, je dis c'est pas moi. Voilà, et c'est pas où vous allez m'envoyer. Voilà, c'est moi sur ma bouche, je dis que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Donc, allez dire ce que vous voulez, oh. Je ne vais jamais assumer. Merci. Je vous embrasse.